Welcome back to my YouTube channel. Je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors, je vais vous montrer comment j'ai eu ce magnifique résultat sans utiliser la chaleur. Oui, j'ai étiré mes cheveux, j'ai eu ce résultat après mon wash day et je n'ai utilisé aucune chaleur. Alors, si tu veux savoir comment j'ai fait, n'oublie pas de rester jusqu'à la fin de la vidéo. Avant de trouver la méthode que je vous montrerai dans cette vidéo, mes cheveux ressemblaient à ça après mon wash day. Difficile à démêler, dû alors que je venais de faire un soin profond qui était supposé apporter de la douceur à mes cheveux. J'ai compris avec le temps que c'est vraiment ce qu'on fait de nos cheveux après qui est important. Donc, si vous avez le même problème, je vous prie de rester jusqu'à la fin de la vidéo. On doit sans doute commencer d'abord par une wash routine. Donc, pour cette vidéo, je vais juste faire un co-wash. C'était dans la semaine. Moi, j'ai l'habitude de faire des co-wash entre deux wash days. Donc là, j'avais des cheveux secs, les cheveux sales parce que après mon précédent wash day, j'avais fait un wash on go avec du gel qui m'a laissé des résidus dans les cheveux. Donc, du coup, vu que je sentais que mes cheveux étaient sales, j'ai donc décidé de faire un co-wash dans la semaine. Donc là, je vais utiliser le co-wash chez Cantu. Voilà. Et pour cette vidéo également, j'aurai besoin de mon masseur, oui, et des chouchous, très très important, et d'une brosse. Ok, je commence déjà par me mouiller les cheveux. Je ne démêle pas mes cheveux secs. Il faut vraiment bien mouiller vos cheveux avant de procéder à n'importe quelle manipulation, hein, vraiment. Après, ça dépend, mais quand c'est pour un wash day ou que vous allez démêler vos cheveux après, donc il faut vraiment s'assurer que ces cheveux sont très bien mouillés. Là, maintenant, je vais diviser mes cheveux par section. Vous le savez déjà, nous, on travaille avec les cheveux sans les diviser par section. Et j'ai fait ça avec mes chouchous, vous savez déjà. Donc là maintenant je vais appliquer mon co-wash vraiment toujours par section, toujours par section. Je profite pour bien démêler parce que c'est le but du co-wash, le but du conditionneur. Démêler, les séparer aux doigts, bien utiliser ses doigts pour bien séparer avant de passer une brosse. C'est très important. Et en utilisant la brosse, je commence tout au bout et je monte à la racine au fur et à mesure. Je vous conseille de vraiment bien démêler vos cheveux à cette étape parce que si vos cheveux ne sont pas bien démêlés, vous n'allez pas avoir un bon blowout. Donc, je vous conseille de bien les démêler. Et après avoir démêlé, vous prenez juste un chouchou et vous attrapez la racine de vos cheveux. Ça va permettre à la racine également d'être étirée. C'est vraiment très important de le faire, ok? Moi, avant, j'étirais et puis je négligeais les racines. Après, j'avais les racines très dures. Cette étape, ça m'a vraiment sauvé la vie. Surtout quand tu veux faire une coiffure protectrice. Donc après, je fais juste une natte comme ça. Voilà, jusqu'au bout, tout simplement. Alors, vous répétez la même chose tous vos cheveux et après vous lavez l'après-shampoing sur vos cheveux, enfin le co-wash. Voilà, ça peut être aussi l'après-shampoing, hein. Cette étape peut aussi se faire avec l'après-shampoing. Je vous donne rendez-vous le lendemain, voilà, parce que j'ai laissé dormir. Rendez-vous le lendemain. Voilà, j'utilise cette huile pour appliquer sur mes cheveux, pour faciliter le travail sur mes cheveux. Voilà, vous utilisez une huile de votre choix. Voilà. Donc, j'ai passé la nuit comme ça, avec à l'air libre. Je n'ai pas attaché mes cheveux avant de dormir. Je dors sur un thé d'oreiller en satin. Voilà, je voulais vraiment laisser mes cheveux s'essécher. Et là, maintenant, je détache tout simplement. Voilà, je vous laisse le reste du processus. Regardez comment c'est facile à démêler. Quand vous démêlez, commencez vraiment au bout et montez jusqu'à la racine. Voilà. Regardez comment ça passe. Regardez comment c'est facile à démêler. Même la racine est très bien étirée. Faites le processus sur tout le cheveu. Voilà.
Alors, ma queen, si cette vidéo t'a plu, si tu sais que cette vidéo va t'aider pour m'encourager à poster plus de vidéos, n'hésite pas à me laisser un like, de me laisser un cœur, un commentaire pour m'encourager à partager cette vidéo à tes cousines, tes nièces, tes amis. Vraiment, cette vidéo, elle est vraiment très utile. Ne garde pas pour toi seule. Partage l'astuce, ma go, faut partager. Je vous donne rendez-vous dans ma prochaine vidéo et à bientôt. Bye!